Assalamu alaikum à tous. J'espère que vous vous portez très très bien. Je vous propose aujourd'hui une petite séquence de vidéos du pasteur Gédéon contre la secte de Thierry le Rusophone, le branhamisme plus couramment appelé le message du temps de la fin. Donc, quand vous entendez parler de message du temps de la fin ou message de l'âge de Laodicée, il faut savoir qu'il s'agit du message d'un pseudo-prophète américain du nom de Branham, William Branham, qui est la secte chrétienne de Thierry le Rusophone. Alors, je vous laisse visionner vous-même. Nous avons commencé cet enseignement sur la dîme depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, en passant aussi par les brochures du prophète du temps de la fin, le prophète William Marion Branham, Lorsque certains aigris attendent son nom, ils sont vraiment aigris, mais on ne peut rien. C'est un véritable authentique, serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Tu mens. Et maintenant, on va voir maintenant la position du prophète du temps de la fin. Le prophète William Marion Branham, qui est le prophète messager de l'âge de l'église, de l'âge de la Russie. C'est clair. Bro. Il est le dernier prophète messager. Si vous attendez n'importe où, dans n'importe quel pays, sur quelle planète, si Saturne, si Mars, Jupiter, si vous attendez quelque part, quand il y a quelqu'un qui dit le prophète messager, vous n'avez pas le prophète messager, sur notre temps, frère, il faut courir. C'est Satan qui a besoin de voir tout ça. C'est clair. Pasteur Gédéon, qu'est-ce que vous dites de cette secte russophonienne? On t'écoute. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe ici là, nous disons que tous ceux qui disent qu'ils croient au message de temps de la fin, vous êtes des voyous. Amen. Venez nous dire c'est quoi le message du temps de début et le message du temps du milieu avant d'en arriver à la fin. Et maintenant, on va voir maintenant la position du prophète du temps de la fin. Le prophète William Marion Branham, qui est le prophète messager de l'âge de l'église, de l'âge de la Russie. Abat le christianisme alimentaire. Abat. La chrétienté par côté. Abat. Abat la secte branhamiste. Abat. Abat la secte branhamiste. Abat. Abat la secte appelée croyante du message des temps de la fin. Abat. Nous les attendons pour qu'ils nous disent c'était quoi le message du temps des débuts. Ce sont des bâtards. Lorsque certains aigris attendent son nom, ils sont vraiment aigris, mais on ne peut rien. C'est un véritable authentique, serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Il y a certains d'entre eux qui m'ont appelé quand j'ai fait annonce que nous sommes du message, on vient pour faire débat avec toi. Je vais finir mon exposé tout à l'heure et je vais vous demander ici de nous dire un peu votre message là, c'est quoi? Abat les croyants du message. Abat. Nous sommes là pour faire un exposé et un déballage sur cette secte appelée croyants du message des temps de la fin. Et maintenant, on va voir maintenant la position du prophète du temps de la fin. Le prophète William Marion Branham. Une secte qui a le mépris du Seigneur Jésus-Christ et de sa parole. Ce sont des gens qui ont du mépris de la parole de Dieu. Scribes et pharisiens. Sectaires appelés croyants des messages du temps de la fin. C'est moi, c'est comme ça que vous appelle. Et je le dis encore, vous êtes des racailles. Amen. Vous êtes des lâches. Amen. Vous abandonnez la parole de Dieu parce que vous êtes influencé par un être humain. Amen. Est-ce que c'est écrit que Paul est apôtre messager? Amen. Ou bien Paul est prophète messager? Est-ce que c'est écrit que Paul est apôtre messager? Amen. Ou bien Paul est prophète messager? Amen. Est-ce que c'est écrit que Paul est apôtre messager? Yes, ou bien Paul est prophète messager? Yes, est-ce que c'est écrit que Paul est apôtre messager? Yes, ou bien Paul est prophète messager? Yes, ou bien Paul est apôtre tout court? C'est écrit quoi? Vous êtes manipulé par le diable, c'est avec moi vous voulez jouer. Alléluia! Le dévoilement des branhamistes. Écoutez très bien. Parce que les gens pensent que moi j'ai dit, je ne sais pas ce que je fais. Non, tu peux faire tout. Tu peux te prêcher ton évangile là. Mais ne parle pas de croyants, de prédicateurs du message. Ah bon? Et il prêche quel message? Qui le conduit à agir, à prêcher, à enseigner des choses contre la Bible. À tourner le dos à l'adoration du Seigneur.
à toutes les deux prescriptions du Seigneur pour consacrer un homme au milieu de la foi. Est-ce que c'est l'être humain qui est le centre du chrétien pour sa vie chrétienne? Non, faut que tu t'attaques au courant du message, tu vas nous croire sur ton chemin. Mais venez sur mon chemin. Venez sur mon chemin. Et non, tu nous as attaqué là, tu as vu. En tout cas, il faut confesser. Moi, me forcer à confesser un homme, jamais de la vie. Amen. Attendez, vous ne me connaissez pas bien, c'est pour ça. Alors, lisons. Le dévoilement des branamistes. J'avais préparé ces choses depuis longtemps. Mais je vais être sûr que vous m'attendez d'abord avant de vous attaquer et de vous dévoiler. Je vais exposer les 305 points. Ça n'a rien à voir avec les 78 thèses que j'ai contre votre doctrine. Mais les 305, là, sont les 305 factions. Vos groupes, sous-groupes, divisions là. Il y a 305. Aujourd'hui, il y a parlé de 82. Ça n'a rien à voir avec mes 78 thèses que j'ai contre votre doctrine même. Vous racontez votre vie. Je dis, je vais être sûr que vous m'attendez. Maintenant, j'ai dit, il contredit son père. Il a dit hier, je lui ai prêché, moi, je lui ai prêché un homme, jamais de la vie. J'ai pris les brochures à l'époque pour juste démontrer à ceux qui sont devant de moi que ce que j'ai dit et puis conteste là, c'est écrit dans leur propre brochure. Voici l'objectif. C'était ça l'objectif. Pas pour exhorter les gens à suivre quelqu'un dans sa tombe. Vas-y frère. Le dévoilement des branamistes. Les gens appelés croyants du message des temps de la fin. Voilà. Une secte qui a du mépris pour le Seigneur Jésus-Christ. Voici la parole. Voici le thème de l'exposé. Le Première dévoilement fois. Des branamistes. Ou des gens appelés croyants du message. Des temps de la fin. Voilà. Une secte qui a du mépris. Pour le Seigneur Jésus-Christ et pour sa parole. Voilà. Tu vas leur démontrer la Bible jusqu'à. Tu vas leur présenter les Écritures jusqu'à. Ils vont te poser cette maudite question. Mais le prophète a dit quoi? C'est le prophète là qui envoie Dieu, mais c'est Dieu qui envoie le prophète. C'est Dieu qui envoie le prophète, mais c'est le prophète là qui envoie Dieu. Mais pourquoi il sait quelqu'un que Dieu envoie au-dessus de Dieu? Pourquoi? C'est pour ça qu'on me combat? C'est pour ça qu'on m'attaque, on me narque? Mais vous êtes des plaisantins? C'est dans le salon où vous pouvez vous en sortir. C'est clair. Mais ici, là, publiquement, vous serez lynché. Amen. Pour avoir divinisé un péché mortel. Je vais vous livrer un spectacle. Amen. Bande de corbeaux babyloniens. Amen. Les croyants du message sont des lâches. Vigilion. Alléluia. Amen.